Bonjour, moi c'est Claire, j'ai 38 ans et je suis née à Brest. Alors j'ai commencé le roller en septembre 2015 avec Florian, mon mari. En 2017, c'est Sarah qui a commencé. 2019, Baptiste et Apolline. On est 5 licenciés au GRC dans la famille. Et voilà notre collection de rollers qui s'est agrandie au fur et à mesure. Donc le GRC et le roller prend pas mal de place dans notre garage. Voilà. Alors oui, j'ai pratiqué le roller dans un autre club quand j'avais 14 ans à peu près. J'allais au roller musique tous les dimanches matins, apprendre à slalomer et même faire un peu de tremplin. Il me semble que j'y suis restée 2 ans et à l'époque, le roller musique, c'était un QG pour les ados le samedi après-midi. C'était un peu le Saturday Night Roller, mais l'après-midi, tous les samedis. Alors ce que je préfère en discipline, je suis partagée parce que j'aime autant le roller en salle, les entraînements, le slalom, la progression sur les petits parcours et le roller en extérieur, aller prendre l'air et rouler tous ensemble et prendre goût à l'endurance. Alors mes différents rôles au sein du club, alors je suis avant tout pratiquante. Depuis cette année, je suis également secrétaire au niveau du comité directeur. Je suis aussi infirmière de temps en temps, le moins souvent possible, je l'espère à chaque fois. Et maman de 3 jeunes pratiquants. Alors mon rôle de secrétaire au sein du GRC consiste à prendre les décisions importantes au sein du club avec le comité directeur, seconder le prêt et la trésorière, taper les comptes rendus, aller aux réunions pour réserver les salles à la mairie, aider en toutes circonstances dès que possible. Alors mon surnom au GRC, depuis que je suis secrétaire depuis l'année dernière, c'est Secret Claire. Alors mon plus beau souvenir au GRC, ça va être difficile parce qu'il y en a plein, entre la bonne ambiance, les parties de rigolade, toutes les sorties qu'on a pu faire. Alors au niveau des courses, j'adore la galop-rando et j'adore la grolle aussi. Ma grolle préférée entre les 3 que j'ai pu faire, je ne sais même pas, mais je garde un très bon souvenir en tout cas de ma participation avec la team des Duracell l'année dernière, avec les fameuses oreilles de lapin. On a bien rigolé sur le parcours et pour moi en tout cas, je me suis bien dépassée au niveau de mes performances possibles. Voilà. Alors mes pires souvenirs au GRC, c'est à chaque fois que quelqu'un se blesse. Je trouve ça dommage, le roller c'est quand même un sport dangereux, mais voilà, malheureusement chaque fois que ce soit une petite égratignure ou quelque chose de plus grave, ça me fait un petit quelque chose. Et plus perso, ma fracture du poignet, voilà. Alors mon objectif au GRC, c'est qu'on puisse tous continuer à patiner en s'amusant et en toute sécurité, garder cette bonne ambiance et continuer en tant que secrétaire à prendre les bonnes décisions avec le comité directeur. Alors pendant le confinement, j'ai continué à travailler, je fais aussi la classe à la maison, on a une super déco au niveau du salon, on fait du sport, et on joue. Alors mon patineur préféré, c'est aussi Ewen Fernandez, qu'on a pu rencontrer lors d'un stage d'endurance. Très sympa, un champion du monde abordable. Et d'ailleurs, on a son autographe sur le casque de Sarah. Voilà. En plus du roller, je fais du footing et de la gym tonique.
Alors en roulant, je n'ai jamais écouté de musique. Par contre, quand je cours, j'aime bien écouter des musiques assez tranquilles et mais entraînantes. Par exemple, celle-là ou encore celle-ci. Alors mon plat préféré, eh ben, je dirais un poulet frites. Alors que tous les adhérents du GRC se portent bien, j'espère vous retrouver tous très bientôt, tous en bonne santé. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !